Le Houtmani, introduit en France par Lionel Rochman, a vu ses premières manifestations aux États-Unis. C'est une réunion plus ou moins improvisée de chanteurs et auteurs-compositeurs de tendances et d'origines diverses. En fait, c'est une sorte de jam session du folk. Le Houtmani, c'est également une possibilité d'expression pour tous. Le Houtmani, à l'origine, c'était un spectacle improvisé, un peu dingue, où on accueille tous ceux qui veulent bien participer, chanteurs, musiciens, artistes, etc. C'est toujours resté comme ça, mais je lui ai donné un tour un petit peu différent maintenant, parce que ça nous donnait la possibilité, cette ouverture sur toutes sortes de gens, nous donnait la possibilité d'accueillir des gens de tout pays, de toute race, de toute religion, de tout style aussi, dans le domaine de la chanson, à proprement parler. Et comme vraiment je suis contre toute intolérance, je suis un antiraciste, je crois dans tous les sens du mot, c'est la chose qui m'est apparue la plus importante. Et désormais, voilà le sens que nous donnons à ce terme de Houtmani et au spectacle que je dirige avec tous mes camarades. Oui, de toute façon, je trouve qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans un style parce que là, ça devient aussi du racisme dans le domaine du folk song, qu'il faut absolument faire du folklore, autrement c'est pas bon. Parce que moi, par exemple, j'aime autant les vieilles chansons, par exemple, des troubadours ou trouvères allemands, que les chansons contemporaines de Frédéric May ou des chansons anglaises, américaines. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de limite. Il ne faut pas se laisser enfermer ni dans un style rive gauche, ni chanson à message, ni variété. Enfin, on fait de tout ça un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on s'aimera au jardin d'enfants, les petits et les grands? Qu'est-ce qu'on s'aimera au jardin d'amour, des belles de jour? On s'aimera comme le petit pousset, des petits cailloux blancs. On s'aimera, on fera pousser des petits pierres au blanc. On s'aimera de l'ivraie, plus vrai que le bon grain. On
on s'aimera délivré. Bon comme le bon pain, qu'est-ce qu'on s'aimera au jardin d'enfants, les petits et les grands. Qu'est-ce qu'on y fera dans notre jardin au petit matin. Il poussera des laureaux lauriers, des fleurs, des fleurettes. On aura des roseaux rosiers, des blanches, des rosettes. On fera des marguerites au pré, des reines, des claudes au pêché, des camilles dans la camomille, des narcisses au charmille. Qu'est-ce qu'on s'aimera au jardin d'enfants quand ils seront grands. Qu'est-ce qu'on s'aimera au jardin d'amour au lever du jour. On mariera quand ils seront grands Pétronille et Cyrille. Puis ils auront beaucoup d'enfants, tout gentils, tout gentilles. Des rainettes dans les fleurettes, des hyacinthes dans les jacinthes, des olives à la douzaine, des gui dans la marjolaine. Qu'est-ce qu'on s'aimera quand on sera grand, après comme avant. Qu'est-ce qu'on s'aimera au lever du jour, des pommes d'amour.